This is wrong. This is wrong. This... On va tenter du braid. Salut à tous d'abord. On va tenter du braid avec des clés vers un couteau. Donc on a pour. Quand même pas mal. 21 balles de clés. Pas trop dégueu. Ça va être un truc de test. Qui va nous permettre de savoir où bait au départ. On va faire un x2. Vers le bas. On tente. On va voir ce que ça donne. Allez. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Bing. Ok. Donc il faut que je joue vers le bas cette fois-ci. Et là ce que je vais faire c'est que je vais prendre 1, 2, 3. 3 clés. Je vais prendre 2 clés que je vais faire vers le bas. Mais logiquement ça passe. Oh non mais sérieux. Ok, on va remettre 2 clés vers le bas. C'est en bac ça chaque fois. Je vais faire un x5 hein, mais on va pas se mentir. Non, on va tenter. x5 à 18, donc il faut être en dessous de 18. Bing. Ok, super. C'était un bon plus. Ok, donc on va se calmer là. On va passer sur autre chose. On va prendre 2 clés. On va faire un x2. On va le over. On part dessus. Allez, on y va. On croise tous les doigts de la main. S'il te plaît, sonne. Ok, parfait. Je vais rester vers le haut. Logiquement, il me reste 2 clés. J'ai envie de tenter tout en haut. Comme tout à l'heure, en x5. Si je fais un x10, c'est carrément insane. Ouais, on va pas se mentir, il y a peu de chance. Donc ça tombe sur du 90 ou sur du 9. Bon, on va faire comme ça. Sur le dessus si je m'en rappelle. Ouais, on croise tous les doigts de la main. Allez, stoppez, 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 stoppez. Merci, putain c'est joli là. Ok, on a 3 armes. Donc là on était au-dessus. J'ai envie de tenter un truc stupide. Ouais, c'est vraiment très stupide. Enfin, une arme à 10 balles de perdu peut-être. Ok, je vais la faire en x2 d'abord. Vers le bas. Je crois que j'ai mis vers le bas, j'espère. Ok, c'est bon. Ok, on a cette arme. On peut tenter... J'ai envie de tenter un x5 vers le haut. C'est tellement risqué. Ça veut dire que ça va être de 81-31 jusqu'à 100. C'est une possibilité, on tente. C'est super risqué. S'il te plaît, fais-le. Ding. Oh, oh c'est magique. Voilà, on a déjà le couteau. Non, là, on va se calmer un petit peu pour le moment. Hein. On préfère un 1x5 ainsi de suite, mais pour le moment, il nous reste ça. On va le select. J'ai envie de faire un truc vraiment débile, 1x20. Vers le bas, parce que il me semble que j'étais vers le haut. Bon, si j'y arrive, c'est complètement insane. Dans tous les cas, on a le couteau, on repart avec. Il vaut 90 balles, on avait 20 balles de clé. Je vais withdraw juste après ça. Après cette débilité que je suis en train de faire. Je withdraw l'autre weapon, ce qui est pas trop mal. Voilà. Ouais, même si j'avais mis vers le haut, il y a peu de chance quand même. On va tenter un x2. C'était en haut. Putain, je sens bien quand même que ça repart sur le haut. Ouais. Petite hésitation là en vrai. Bon, on a une hyper beast là. Du coup l'inventaire ressemble à ça plus ça. C'est cool là, ça fait 2 weapons, le couteau on le voulait en là. Ça fait peur. Si je fais un et demi. Je me cramponne là, mais...
jusqu'à 63 quoi. On va faire un ennemi, ça passe pas tant pis. Allez, bien. Ok, c'était roll 92.78. Ah, du coup j'étais en haut, je crois, et je crois que j'étais en bas. Ouais, c'est une bonne nouvelle qu'on fait. En vrai. Donc je vais aller en dessous du 62 maintenant. Pff, si ça passe. Si ça passe, je suis bien. Je suis très très bien, ça passe. Allez, 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 allez. Passe. Yes. Ok, il est à 10. C'est en Dax. Est-ce qu'on tente un autre couteau? C'est quand même super Tendax. Non, on va arrêter là. On va arrêter là, c'est joli. C'est tout beau. On a ça plus ça. Parti avec 20 balles de clé plus une arme à 2 balles. On va dire qu'il y a 22 balles à peu près, je crois. Waouh. À ce petit moment de panique là. Mais c'était bon. Allez, on withdraw. Hop. Continue. Alors, dread. Donc, hop. Non, désolé, non, non. Comment te dire, c'est cool parce qu'on est bénéficiaire. Ah, du coup, je collectionne les couteaux pour pouvoir faire un peu plus de gambling. Pour pouvoir proposer des vidéos fun. Voilà. Je vais faire un petit peu de montage sur celle-là histoire de vous faire plaisir. Alors, hop, on récupère. Mais je suis content d'avoir la petite. Vous savez, Star Trek, elle est jolie. J'ai déjà une Asimov, mais voilà quoi. On va pas se mentir, ça fait juste plaisir quoi. Voilà, fini, on a tout. Allez. À plus les gens. Merci de m'avoir suivi.